Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Je vous propose cette situation de communication. Il s'agit de raconter un événement vécu. La situation de communication que je vous propose pour aujourd'hui est pour titre Une journée au village. Le thème en général, c'est Mon village, ma ville. Alors, je vous demande tout simplement d'observer bien ces images. Il y en a trois. Le personnage principal ici, c'est Kenza. Alors, Kenza est allée au village chez ses grands-parents. Elle raconte sa journée à une... C'est là ce qu'on appelle raconter un événement vécu. Alors, question, qu'a fait Kenza au cours de la journée? Qu'a fait Kenza au cours de la journée? Allons-y, on va découvrir ensemble qu'a fait Kenza au cours de la journée. Bien sûr, d'après ce dialogue. Kenza et Amine, ce sont deux personnages principaux de ce dialogue. Écoutons maintenant le dialogue. Kenza. J'ai passé la journée avec mes grands-parents. Ils habitent dans un beau village. Amine, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Le matin, c'est Kenza qui parle. Le matin, j'ai mangé un pain chaud avec du miel. Et j'ai bu un bol de lait de vache. Observez bien, s'il vous plaît, première image. Alors, Kenza parle, dit le matin, j'ai mangé un pain chaud avec du miel et j'ai bu un bol de lait de vache. Amine est un peu curieux. Il pose la question à Kenza. Et l'après-midi? Observez bien, s'il vous plaît, deuxième image. Voilà. J'ai fait un tour à cheval avec mon grand-père. C'est une sorte de équitation. Voilà. J'ai fait un tour à cheval avec mon grand-père. Amen. Amine, il est tout à fait curieux encore. Il pose la question à Kenza. Il dit, qu'est-ce que tu as fait d'autre? C'est-à-dire pendant la journée. Elle dit, Kenza, j'ai joué avec la chatte. Elle a déchiré la poche de mon pantalon, malheureusement. Ricotant encore fois le dialogue. Kenza est allée au village chez ses grands-parents. Elle raconte sa journée à Amine. Voici le dialogue entre Kenza et Amine. Ce sont deux personnages principaux, bien sûr. Kenza parle, il dit, j'ai passé la journée avec mes grands-parents, ils habitent dans un beau village. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Le matin, j'ai mangé un pain chaud avec du miel et j'ai bu un bol de lait de vache. Et l'après-midi, j'ai fait un tour à cheval avec mon grand-père. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'ai joué avec la chatte et elle a déchiré la poche de mon pantalon. Alors, on continue notre activité. Il s'agit d'activité orale et communication ici. C'est-à-dire tout simplement prendre la parole et savoir raconter un événement vécu. Par exemple, ici, Kenza est allée au village chez ses grands-parents, elle raconte sa journée à Mine. Première question. Quels sont les personnages qui jouent le dialogue? Quels sont les personnages qui jouent le dialogue? Ça veut dire qu'ils participent dans ce dialogue. Oui? C'est très bien. C'est Kenza et son amie Amine. Kenza est... Son ami Amine. Où est Kenza?
Oui, exactement, Kamza. Bien sûr, d'après ces images. Est-elle au village, dans une ferme, par exemple, ou dans la ville? Oui, c'est très bien. Kamza est chez ses grands-parents dans une ferme. Kenza est allée au village chez ses grands-parents aussi. C'est une bonne réponse. Alors, Kenza est chez ses grands-parents. Kenza est allée au village chez ses grands-parents. Elle est dans une ferme ou elle est dans la ferme de ses grands-parents. Voilà, toutes ces réponses sont justes. Continuons. Où habitent les grands-parents? Où habitent-ils?